je m'appelle Sabine Reynosa, je suis informaticienne en société de service et par ailleurs militante syndicale, militante féministe aussi, et bon, ce que je concilie parfaitement au sein du collectif confédéral Femmes Mixité de la CGT. Je ne sais pas si on doit dire d'abord, bon, parce que ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça peut impliquer une idée de préséance et qu'on risque d'entrer dans une mise en concurrence, on va dire, entre inégalités. Mais ce qui est certain, c'est que l'inégalité femmes-hommes, c'est l'inégalité la plus universelle, la plus répandue, puisque c'est l'inégalité que subit la moitié de l'humanité. Par ailleurs, ça renvoie à tout un système, le système de genre, que ça implique de remettre complètement en question et donc analyser, aller à la source, à la racine de ces inégalités, ça veut dire remettre à plat finalement tout un système de domination, et par là même on touche de toute façon à tous les systèmes de domination. Un système de sanctions, tout simplement, il faut pénaliser. Si vous grillez un feu rouge, immédiatement vous êtes sanctionné. Là, ça devrait être pareil. Alors, le système qui est prévu par la loi aujourd'hui, d'abord, est assez peu rédhibitoire, et puis surtout, c'est pratiquement pas appliqué.